Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands. Donc, nous sommes ici, nous étions en train de choisir quelle prochaine région nous allions faire. Alors, nous pouvions partir dans une région comme ça avec quelque chose à prendre, ou nous pouvions aller dans la Cruz. Et il y avait normalement dans la Cruz deux missions principales à réaliser. Trouver la Plaga et trouver Ramon Felitz, qui sont juste l'une à côté de l'autre. La Plaga se prépare à fuir le pays avec son grand frère. On peut pas les laisser faire. Éliminer la Plaga avant qu'ils mettent les voiles. Alors, on a cet endroit-là qui est assez près. On a celui-là aussi qui pourrait ne pas être trop trop mal, surtout si on a un hélicoptère juste à côté, ça pourrait être très très cool. Alors on y va comme ça, on va aller voir, on va essayer de localiser ces personnages. Alors, étrangement, ils sont dans une région où normalement il n'y a pas de présence d'un des différents... pas d'un différent cartel, mais d'un des différents... on va dire... comment... Un des différents... services, entre guillemets... de Sueño, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni production, ni distribution, ni ce genre de choses. Enfin, distribution, il y en aura un peu partout, je pense. Mais je veux dire dans le sens où il n'y a aucun... C'est pas un endroit qui lui sert, véritablement. C'est pas là qu'il entrepose sa sécurité, etc., etc. Donc bon, à voir. Alors j'ai toujours, comme vous le voyez, le volant qui est installé, hein, donc c'est prévu, hein. On va continuer un petit peu... The Crew en live le mercredi après-midi pour ceux que ça intéresse. Histoire de récupérer les différentes... hop. J'en profite pour regarder. Les différents nouveaux véhicules qui seront disponibles dans The Crew 2, tout bêtement en fait. D'ailleurs le site a changé. Ah ! Le site a tout bêtement changé. Hack, hack. Alors, nous arrivons, ça a l'air d'être vachement joli la Cruz, n'empêche, hein, je veux pas dire, hein, mais c'est assez sympa. Alors, je me poserai bien sur la petite montagne d'à côté pour sniper tranquillement. Et vous voyez, ce qui m'embête, c'est que le numéro 2, la frime, est bloqué. Il est toujours verrouillé, j'ai peut-être contacté le support pour voir si... Alors, là finalement, la montagne est assez éloignée. Et donc, cet homme a un hélicoptère, lui aussi. Allons-y. Hop, l'atterrissage était un petit peu brutal, mais ça passe, c'est tout ce qui compte. Ok. Activité ennemie, on se concentre. Oh, je suis concentré, t'inquiète pas. Tu les situes où ? Dans l'hacienda. Merci, Deagle. C'est sa maison. La Plaga tente le tout pour le tout. Autant le buter maintenant, ce sera toujours ça de fait. Avancer rapidement, mais sans forcer. Rapidement, mais sans forcer. Quoi ? Je déploie le drone. Ok, bon, on va faire de la recherche comme ça, hein, c'est pas grave. On évite de se manger les arbres aussi, ce serait cool. Salut l'ami. Apparemment, ils seraient tous dans la maison, hein, principalement. Le problème, c'est que dans la maison, j'y vois pas grand-chose. Avec lui, ça fait 5. Alors, potentiellement aussi dans le sous-sol, alors. C'est de ça que je ne vois pas. Et apparemment, nos potes ont réussi à trouver quelqu'un qui était, lui, planqué dans le sous-sol. Bonjour, madame, excusez-moi, je vais vous suivre. Je vais vous suivre, madame. Ne regardez pas, ne regardez pas. Vous voyez un escalier, vous ? Nous sommes soupçonnés, c'est vrai ? Pour si peu ? Mais du coup, j'ai pas réussi à rentrer dans le... Cartel, l'hacienda, à l'intérieur. Ouais, bon, on va aller par là, on va aller voir. Hein.
Ah, plus de batterie. Bon bah. Ah, il y avait des gens en haut aussi. Effectivement, oui, c'est vrai que je suis pas allé au-dessus voir s'il y avait du monde, tout bêtement, mais. Mais ça peut s'arranger. C'est débile! Ah, attendez, je crois que je les ai tous eus. Apparemment, je les ai tous eus ici. Donc. Ok, il m'en manquerait un encore. Ils sont pas là, eux, ils sont où? Putain, c'est quand même chaud d'avoir à conduire un drone là. Bonjour. Vas-y, vas-y, progresse, y a pas de soucis. Ça c'est de la reco. Ça c'est de la reconnaissance. Cette voiture a une alarme. Cependant, j'ai toujours pas trouvé la dernière cible. Bon bah on y va, hein, tant pis. Hein. Et j'ai pas localisé la plaga non plus, donc je pense qu'il est dans une des portes, vous savez, d'un des bâtiments là. La salle de sport. Non, attends, ils vont te repérer. Quoi? Qu'est-ce que tu me chies? Bon, y a pas d'armored guy ici normalement. Donc. Bonjour madame. C'est bon, tout va bien. On est traqué. Je me trompe ou ça sent le shit? Je dirais plutôt le crack. On dira ce qu'on veut de la plaga, mais ça au moins c'est de la soirée d'adieu. Comment t'as fait pour me voir toi, Simone? Non, non. Tu te calmes. Tu te calmes. Tu peux pas passer par-dessus le truc là? Apparemment non. Contact dans la hacienda. Quoi? C'est le premier à résister à deux balles de ce flingue à cette petite distance. Le premier. C'est toujours ça. J'aurais dû passer par une autre arme. Littéralement. J'aurais dû prendre mon petit gun. Il fait beaucoup plus de dégâts que le sniper, j'ai l'impression des fois. Ah, enfin bon, c'est pas grave, nos potes sont là pour nous sauver la mise, comme d'habitude. Heureusement d'ailleurs. Merci pour la picouse, hein, il commence à être temps. Putain, c'était juste. Vous l'avez eu le bonhomme ou... Apparemment. Bon, on est repéré de toute façon. Désolé madame. N'ayez pas peur. What? Il restait plus que ça en plus, c'est dommage. J'avais presque entièrement géré la zone. Une petite décoration de la Santa Blanca. Hop. Plus 5 points. Boum. Ok. Rien d'autre. Ok. Des fois que j'ai loupé quelque chose, malheureusement. Mais apparemment, ça va. Hello, guys. We do the good damn shit. Alors. Voilà, moi je pariais. Attention, on a des ennemis sur zone. J'ai la plaga en visuel. On va se le faire. J'ai trouvé un tunnel. J'entends des bruits de moteur. Leur lieutenant Stey. Je veux la moto. On y va. Je vous rejoins.
Je l'ai pas vu venir ce coup-là, mais on y va. Hors de question qu'il se fasse la malle, c'est compris ? Aïe. Ah mais c'est mal parti, hein. Ce qui fait mieux de la moto que moi, donc qui est un des véhicules que j'ai peut-être le moins pris du jeu. Vu que juste... What ? Ça va être tout noir ! Ta gueule. Voyage pour la Plaga. S'il se met à nous tirer dessus, vous l'abattez sans sommation. On se fait allumer depuis le point de contrôle. Je l'ai eu. Oh la vache. Le connard. What? Il me court dessus. Faut pas qu'il prenne un véhicule. Qu'est-ce que tu foutais? Rends-toi la Plaga. Plus moyen de t'échapper. Contact près du garage. Voilà, je l'ai eu. Rien à foutre. Merci pour les médocs. Il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Putain, mais ils sont encore frais, les animaux, là, les têtes d'animaux. Comme une mierda, Couleros. C'est ok, c'est bon. On a éliminé la peste. C'est qu'une question de temps avant qu'Elmuro apprenne la mort de son petit frère. Avec un peu de chance, on lui annoncera ça en personne. Ah, ça, c'est de la bonne nouvelle. On va là, maintenant. Félix s'est senti l'âme d'un lanceur d'alerte et a révélé l'existence d'un réseau de trafic d'enfants dirigé par le cartel. Le trafic de quoi ? Il découvre ce qu'il sait avant qu'El Sueño le fasse tuer. Le trafic de quoi ? Parce que ça, c'est pas le genre de chose que, qu'en règle générale, j'apprécie. Malheureusement. J'apprécie dans le sens où, vis-à-vis d'autres personnes encore... Enfin, d'autres personnes, je suis encore plus écœuré par ce genre de truc. Vous permettez ? Merci. Il va être temps qu'on découpe des bibites. Comme dans Conan Exiles. Pour ceux qui ont suivi le live sur Conan Exiles, vous avez pu voir des BITE. Enfin, des BITES, techniquement. Parce que si je dis BID, ce sera forcément au pluriel. La maison de Félix est droit devant. On a intérêt à se manier avant que le cartel l'atteigne. Le mec, il doit avoir les boules, là. Vous savez quoi? Je vais pas le poser là, parce que je pourrais pas le récupérer, derrière. Par contre, en le posant là... Si j'y arrive... Si j'y arrive... C'est bien, c'est que je m'étais promis de faire des épisodes plus rapides. Je me chie un peu dessus. Parce que je me fais chier à vouloir poser un hélicoptère sur une plaque. Oui. Ah oui. Ah, je dis oui. Par contre, je vais attendre que les pales se... Non, ça va. Ok, cool. Bon, j'imagine qu'il va être en haut, hein, parce que les choses ne sont jamais simples. Oi, Ramone. Tu veux pas que je pète la porte? Ok. Bah, je ne pète pas la porte. Il est déjà mort ? Il est déjà mort, je m'en doute un petit peu. C'est pas vrai, on arrive trop tard. Félix est mort. Putain, les bouchers. Ces données Fâche. Doivent être quelque part dans le coin. Consulter l'ordinateur. Ah, tu consultes comme ça, toi ? D'accord. Merde, il manque le disque dur. Bowman, Félix est mort et son disque dur s'est envolé. Un sacré bordel, pas vrai? Hein? Comment tu sais ça? Parce que ce crétin vient de poster un selfie qu'il a pris sur la scène du crime. Il a géotagué la photo, donc on sait où il est. Rejoignez le dès que possible et essayez de récupérer le disque dur de Félix avant qu'il le détruise. Et en plus, le méchant est débile. Voilà, comme ça, je peux aller directement ici, récupérer mon hélicoptère. C'est comme ça que je t'aime. Ok, il est à 1,5 km. Oula, j'ai reçu plein de vibrations dans ma poche. Qu'est-ce qui se passe? Que des mails. Ah, ça doit être les mails de Games Planet. On va aller voir ça, chers amis, ensemble. Attendez. On va aller voir ça. Je vais quand même réussir à diriger l'hélico. Non. Non, bon, bah tant pis. On va aller voir ça ensemble. Des fois qu'on ait des réponses pour nos prochains jeux. Donc, ça doit être... c'est peut-être ça, hein, je sais pas. Hein. Non, c'est pas ça.
C'est pas ça, malheureusement. Dommage. Ah, j'y ai cru. Non, c'est... C'est Square Enix qui me prévient que Nier Automata est à moins 30% sur Steam. Deux fois. Il me prévient. Deux fois. Où est-ce qu'il est, en fait? Il est en bagnole. Faut que je l'interroge? Je vais pas vraiment avoir envie de l'interroger. J'ai notre tueur en visuel. Il nous faut le disque dur. Prenez-le vivant. Voilà, arrêtez l'assaut. Hop. Bonjour. Ne vous fiez pas à la beauté des lieux. Cette province est gangrénée par Bonjour. L'Unidad. Notre but, c'est de mettre de l'eau dans le gaz entre l'Unidad et le cartel. Et pour ça... T'es mort, espèce d'enculé. Mais c'est quoi ton problème? J'ai rien fait du tout. Mouais. Selfie avec ta victime. Vous l'avez vu? Carrément classe. Oh, mais qu'il est con. Toi, ça, c'est la classe? Alors tu vas aimer ce que je vais te faire. J'ai seulement besoin d'un cintre et d'un gros paquet d'électricité. C'est bon, relax. Qu'est-ce que tu veux? Le disque dur de Félix. Maintenant. Ah, ça Je l'ai refilé au hacker pour qu'il l'analyse. Pas loin d'ici. Ouais, c'est moi. Pardon. Pas trop tôt. Je commençais à m'inquiéter. Ne vous fiez pas à la beauté des lieux. Cette province est gangrénée par l'Unidad. Notre but, c'est de mettre de l'eau dans le gaz entre l'Unidad et le cartel. Et pour ça, il faut abattre le général Barr. Mon hélico. L'Unidad. Ça va être galère de l'atteindre. Ce connard avec sa bagnole a bourré mon hélico. Mais on nous a parlé d'un data center dans la base fortifiée Jaguar de l'Unidad. Apparemment, il serait bourré d'infos sur le personnel. On va bien voir, qu'est-ce qui se passe? Sur les opérations plus ou moins inavouables de l'Unidad. C'est l'endroit idéal pour trouver des pistes sur le général Barrow. Je t'envoie les coordonnées de la base fortifiée Jaguar. Ils ont sans doute installé le data center en sous-sol pour le rafraîchir. Par contre, notre source n'a pas pu nous fournir de mot de passe. Vous savez quoi faire. Faut qu'on se grouille de choper le disque dur avant que le cartel l'efface. Sors de là, vite. Vidéo disponible, je prends. Général Barrow. Le major général Barrow est un patriote. Mm-hmm. Il dirige l'Unidad, la police militaire bolivienne, depuis la base fortifiée Jaguar à Flor de Oro. C'est là-dedans qu'on Quand va. Santa Blanca est arrivée en Bolivie. Elle est partie en guerre contre l'Unidad. Ça a été un massacre, y compris parmi les civils. Barrow avait connu son lot de morts dans la vie et voulait désespérément rétablir la paix. Il a donc organisé des tractations occultes entre El Sueño et le gouvernement bolivien. D'accord, bien, bravo. L'Unidad a accepté de laisser la Santa Blanca continuer impunément son business. En échange, le cartel a promis de minimiser les morts. Évidemment, les résultats sont mitigés. Les relations entre la Santa Blanca et l'Unidad restent tendues. Maintenant que la Bolivie est plongée dans les affres du narco-capitalisme, je crois qu'il commence à regretter sa décision. Le général Barrow peut être soit l'un de nos pires ennemis, soit notre meilleur allié. Oh putain. Il n'y a qu'une façon de le découvrir. Si je peux retourner l'Unidad avec moi. Oh là là. Le bonheur. Viens chercher bonheur chez ton marchand de journaux. Wouah. Force pas à employer la manière forte. Attachez vos ceintures. Salut. Je nique ta mère, cabron. C'est bon, on y va. Qu'est-ce qu'il m'a dit, lui? Qu'est-ce qu'il fait à ma maman? En plus, il écoute de la mauvaise musique. Cassez-vous de mon chemin. De toute façon, c'est de la musique bolivienne. Ça peut pas être bon. Oh! Alors, on y est presque. J'ai l'impression que c'est plus petit que ce qu'ils nous ont montré. Me trompe-je? Elle se conduit très très mal, la voiture. Je veux pas dire. Comparé à ce que je conduis dans The Crew, ça se conduit très très mal. Question? Non, ça marche pas. Je vérifiais. Sait-on jamais? Faut pas que j'appuie sur A, ça sera pas le boost. Allez! Le toit est très très chaud. Ouh, you touch mon gros gros toit. Oh my god. On arrive à l'endroit où le tueur a dit avoir laissé le disque dur. Quadrillez la zone. Ah oui, c'est pas la base. Bon, bon monsieur, bonjour. Je vois un sicario, là-bas vers la pile de pneus. J'en vois un autre. Tiens, sur une troisième cible.
cible repérée. Je vais me trouver une ligne de tir. Dépêche. Feu à volonté. Je l'ai fumé. Ok, on sortira bien. Je vois un narco du cartel, près du parking. J'étais mauvais. Ok, on peut respirer. Allez, Rocco. J'ai demandé aux rebelles de faire un repérage de la zone. Bien fait. Envoie des coordonnées ennemies en cours. Coucou. En douceur. Reçu, je me mets en position. Tir synchrone. Reçu, cible désignée. Je plombe ces fils de pute. C'est bon. Faut que je monte encore un étage, on est d'accord, non? Oula, traqué, pourquoi? Qui a été si mauvais qu'il nous a littéralement repéré. Fait repérer même. Il a pété la vitre. Wow. Mais bon, je t'ai vu. Quoi? Le mec, il sort de nulle part! Voilà, on l'a tous tué. C'est bon, tout le monde a bien. Quoi? On nous envoie quoi? Il nous envoie un hélico armé, mais il a cru, lui. Question, attendez. En termes d'armement, il me semble qu'il y avait un truc rigolo à la fin, voilà, expert à longue portée. Ça m'intéresse. Il faut 6000 de bouffe, je suis pas loin. Rétention de munitions. Pourquoi pas? Comme ça, je pourrais choper ça derrière, en fait. Ça, le truc. C'est ça qui m'intéresse. Ok, bon. Merde, c'est pas ce que je veux faire non plus. Ah, c'est au niveau de l'interface, c'est pas magique. Batterie, recharge. Discrétion, un point. Vas-y, fais péter. Blindage aérien, fais péter. Voilà, je mets un point partout, ne serait-ce que pour... Faudrait que je mette un point dans leaderné aussi. Hop. Comme ça, mes alliés sont plus efficaces. Voilà, on va faire ça comme ça. Au passage, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, ce que je voulais faire, c'est changer ça contre... Merde. Changer ça contre... celui-là? Ça ressemble à quoi, celui-là, déjà? La Mativo. Mouais. El Bastone! Où tu es? Il est là, mais sans être là, en fait. Ah, ça y est. Putain, il est dur à...
Me tombe pas sur la gueule. Oh putain. Joli tir. Allez, on fait le ménage et on avance. Bon, on va rentrer avec un gros flingue, ça risque de lui faire peur. Bonjour. Oh merde. Je croyais qu'il y avait quelqu'un. Mais même pas. Bon bah tant pis, on y va. Hein. Ça roule ma poule. Récupérer le disque dur de Félix. La mission avant tout. Il est intact. Affirmatif. On l'a connecté à une clé, tu vas recevoir les données. Excellent. D'après le blog de Félix, la Santa Blanca enlève des enfants boliviens qui partent trimer au Brésil, en Argentine ou au Mexique. Et on peut en publier la preuve. Personne n'aime les trafiquants d'enfants. Non. Pas les trafiquants de drogue. Non, je pense que El Sueño va pas être des masses content. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs au passage, hein, faut le dire. Général Barreau, tu es dans une région 4 ou 5, je pense 5, je dirais. 5, j'avais donc raison. Ok, j'en ai éliminé 2 hein, quand même. Hein. Je serais bien tenté d'aller voir cet homme-là, ou la gringa. Oh, El Yayo. El Yayo, ça fait longtemps que qu'on en rêve. De El Yayo. Mais je sais pas où il est. Un papy, une espèce de papy bizarre. J'aimerais bien ça, moi. Allez, El Yayo, il est quoi? Il est dans la production. Déstabilisation, sécurité. Déstabilisation, trafic. Trafic, trafic, sécurité. Trafic. Sécurité. Production. Production, mais ça a pas l'air d'être lui. Influence, ah merde, où est-ce qu'il est le... Sécurité, trafic, trafic, trafic. Bah merde alors. Il en manque combien dans la production? Il en manque 3, donc... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, attendez, lui il est pas dispo encore, faut que j'ai d'abord le boss secondaire, d'accord. Donc on va aller... Bah, Villa Verde, ça a l'air joli. Niveau 4 en plus, bah voilà, c'est magique. C'est là qu'on va. Est-ce qu'on a un petit raccourci? Parce que là, ça fait quand même un petit bout de chemin quand même. Oh, un petit hélicoptère là-dedans, ce serait cool. Ce serait carrément cool. Ben. Du coup, j'ai toujours pas d'infos sur le... J'ai envoyé un mail au support, pour voir. On verra bien. Mais The Crew 2 sera sur la chaîne, hein, tout comme Destiny 2 sera sur la chaîne, ça j'ai vraiment hâte. J'espère vous avoir le collecteur. Si j'ai le collecteur, j'aurai une excellente... Oui. Dommage pour El Cerebro, mais il paraît qu'il a été repéré à la base. On finira par l'avoir. J'ai pas d'hélico. Ici, j'en aurai peut-être un. Ouais, donc j'espère, en fait, si j'ai la collector, je vais vraiment mettre un gros boost sur Destiny 2, c'est-à-dire je vais faire des vidéos sur les informations qui vont pleuvoir au fur et à mesure, et on essaiera de trouver ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas joué, encore une fois, à Destiny premier du nom, par conséquent, pour moi, tout sera nouveau, en fait, finalement, hein. Bon, il y a toujours pas d'hélico, là, ça me pète les couilles, si on aura peut-être un. Hop. Ouais, donc j'ai pas joué à Destiny 1, donc du coup, bah, j'ai hâte de jouer à Destiny 2 qui est enfin sur PC, un FPS sur PC qui n'était pas sorti, et qui, enfin un FPS RPG, faut dire ce qui est, hein, qui me faisait baver moi personnellement, hein, c'est... Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir l'avoir sous les doigts. Mais merde, y a plus d'hélicoptères dans la région, quoi, c'est... J'ai tout pris. Bon, on y va en motobilette, hein, c'est pas grave, on va prendre la noire. La moto est pour moi. Vive la motobilette. On se retrouve là-bas. Plutôt par là. Aïe. Ça va être long. Hein. Ça va être très très long. Ouais, donc j'ai vraiment hâte de jouer à ce Destiny 2. Et j'espère aussi pouvoir avoir la chance d'avoir un bon récap. Un récap vraiment... Je suis mort. Non, ça va. Un cap vraiment très bien fait de ce qui s'est passé dans Destiny 1. Parce que vraiment, j'ai vraiment envie de me plonger dans le jeu. Hein. Pour moi, c'est
un des meilleurs jeux qui a dû sortir. Puisque je me suis pas spoilé du tout, mais j'ai cru comprendre qu'il avait un lore extrêmement intéressant. Et pour moi, le lore, moi qui suis un grand joueur PvE, c'est une base incroyable. Donc j'ai vraiment hâte de l'avoir sous les doigts, ne serait-ce que la bêta du mois d'août. Ok, on est bon. On peut pas passer à travers la rivière avec la moto. Donc oui, j'ai vraiment hâte de l'avoir sous les doigts. Vraiment, vraiment très 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 hâte. Ça pourrait devenir un des musts de la chaîne. Si je suis vraiment à fond dedans. Et de toute façon, je mettrai beaucoup de choses entre vos mains, chers amis. En termes de choix. En exemple, pour la classe, il y a trois classes, l'arcaniste, le titan et le chasseur. Personnellement, je serais plus tenté par un titan. Si j'en crois la carte, c'est une grande route qui mène à la ville du même nom. Et puis c'est de la jungle et de la jungle. Ouais, c'est ce que je vois. Bowman, on arrive dans la province de Villa Berdé. Ah, une route. Plantation de coca légale, le cartel possède une mine sur place. C'est elle qui l'approvisionne en pyrolusite, le minerai dont on tire les agents de purification qui lavent la cocaïne plus blanc que blanc. J'ai comme l'impression qu'on va saboter cette étape de la production. Je n'ai aucune info sur la tête du réseau local. Faites attention à vous. Et récoltez des intels sur le Butchon avant de passer à l'action. Terminé. Le Butchon. Je sais pas ce que ça veut dire. Je suis intéressé, cela dit, de savoir. Hop. On progresse plutôt bien, sinon. Hop là. Ok, des choses qui brûlent. Ok, donc j'ai fait une belle petite traversée, mais j'ai toujours pas trouvé de base à nous, techniquement. Donc c'est un peu con, c'est un peu con, c'est un peu con. Parfait, on va y aller comme ça. Hop, on va explorer en motobilette, hein, on verra bien. Hein. Franchement, j'ai pensé à un décès là. J'ai imaginé un décès, le mien. Casse-toi le lama! Oh putain, il y a des lamas dans la région. Oula. Et tutut et vroom vroom. J'aime bien sa voiture par contre. Clairement, je voudrais bien sa voiture. Ok. Apparemment, il y a un checkpoint juste à côté. Hop. De la terre battue. C'est le moment de refaire Roland Garros. Faut dire, la finale a tellement été expédiée à grande vitesse que. On se demande s'il y a vraiment eu un Roland Garros. Et toujours pas de comment de camp pour nous, hein, finalement. Vaporiser le bâtiment. C'est pas faux. Comme ça, elle pourra chercher le suivant pendant ce temps-là. Non, mais avant de faire ça, j'aimerais bien trouver des bases chez moi. On a trouvé un des labos de pyrolusite. Beau travail. Maintenant qu'on sait à quoi il ressemble, je peux peut-être en trouver d'autres dans le coin. Et bingo. Je te transmets les nouvelles coordonnées. Cool, merci. Oh, un quad, un buggy, pardon. Ok, cool. Mais non, tu ne peux pas me voir. Je suis passé beaucoup trop vite. T'as peut-être eu un doute, mais tu peux pas me voir pour autant. Avant-poste, putain. Non, c'est pas le mien ? Merde. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'accident. Ouais, bah voilà. Suffit d'en parler, chers amis, suffit d'en parler. Hop.
Ah putain, ça y est, j'ai un avant-poste ici. Ok, bon bah on va à cet avant-poste, on va voir s'il y a un hélicoptère, on prie pour qu'il y en ait un. Parce que les derniers qu'on a fait, on n'a pas eu des masses de chance. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour la suite de cette aventure. Salut les gens!